Hello la Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de comment attirer un mec, mais plus particulièrement de ses 4 qualités qui les font tous craquer. Ce sont un peu des petites particularités que les filles vous avez déjà dans votre caractère, qui sont déjà là, mais qu'il faut faire un petit peu ressortir pour attirer les garçons, pour paraître un peu plus attirante à leurs yeux. Donc j'espère que vous êtes prêtes les filles, mais avant qu'on en parle, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram, car c'est là-bas où je fais participer à toutes mes vidéos, et surtout, c'est là-bas où je vous balance les grosses annonces. Là j'ai un gros projet en tête, il y a une écriture de livre qui est peut-être en cours, etc. Je ne peux pas vous en dire plus, si vous voulez savoir un peu plus, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous raconte toujours ma vie en story, c'est toujours là-bas que ça se passe. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. Voici les 4 qualités qui attirent un mec. C'est parti! Alors, la première qualité est une qualité quand même assez connue. On le sait toutes, les mecs aiment que leur partenaire leur laisse de l'espace et surtout qu'elle n'essaie pas de les changer. Très clairement, même s'il faut faire des concessions en couple et qu'il faut faire des efforts des deux côtés, un mec aime se sentir libre lorsqu'il est avec quelqu'un dans une relation. Voilà, il a pas envie de se sentir enfermé. Les hommes, en plus, la plupart du temps, ils ont peur de l'engagement, donc il faut qu'ils se sentent libres. Donc très clairement, s'il a envie de jouer aux jeux vidéo pendant 3 heures et de bouffer un paquet d'Oreo, laissez-le jouer aux jeux vidéo, il reviendra plus tard, il sera disponible pour vous plus tard. S'il a envie d'aller voir ses potes, d'aller jouer au foot, etc., laissez-le vivre sa vie. L'amour, c'est pas du contrôle tout simplement, donc laissez-lui ses libertés et il sera encore plus attiré par vous. Et puis plus vous lui laisserez des moments de liberté, plus il appréciera passer des moments de qualité avec vous. Donc voilà, c'est tout bénef. Ensuite, la deuxième qualité qui attire les mecs va clairement vous surprendre les filles. C'est qu'ils adorent et en plus ils ont besoin d'une partenaire qui sait fixer des limites. Une fille qui s'affirme, qui a du caractère. Parce que depuis toujours, on est d'accord que chez nous les filles on nous a un petit peu appris à réprimer nos émotions fortes, comme par exemple la colère, et qu'on a appris à laisser un petit peu passer, voilà, à faire des concessions et à se taire. Mais il faut bien comprendre et s'ancrer ça dans la tête que s'énerver de temps en temps parce que nos limites ont été franchies, c'est quelque chose de normal et ça fait pas de nous des filles méchantes. Au contraire, ça montre juste qu'on a des limites et qu'on sait où elles sont et qu'on sait ce qu'on veut. Ça prouve au mec qu'on est capable de l'exprimer et qu'on a assez confiance en nous pour dire là, stop. C'est clairement primordial les filles de rester authentiques à vos valeurs et de mettre des stops et pas de laisser tout passer avec un mec. Et en plus, il faut savoir qu'ils apprécient avoir du répondant en face de temps en temps, sans être dans la méchanceté et dans l'agressivité, bien évidemment. Ensuite, la troisième qualité est une qualité qui va vous plaire les filles. Les mecs aiment lorsqu'une fille est naturelle. Alors, bien évidemment, je parle du naturel dans le comportement. Comme je l'ai dit, il faut rester authentique, il faut pas jouer un jeu, se cacher derrière un masque, masquer ses défauts, etc. Pas du tout, il faut rester naturel comme on est dès le départ. Mais là, je parle aussi du physique. Je peux vous assurer qu'il n'y a rien de mieux pour un homme que de voir sa femme le matin avec les cheveux totalement ébouriffés, qui a la tête dans le cul avec un vieux t-shirt, qui se réveille comme ça. Comment vous expliquer? Ça garde un petit peu cette innocence et cette douceur de la féminité, et c'est ça qu'ils apprécient, c'est voir notre féminité. Donc en fait ça les fait totalement craquer. Même si nous sur le moment on se sent genre pas bien, on est là en mode on n'est pas fraîche là. En fait ils adorent tout simplement, ils adorent le naturel. Par contre ils apprécient aussi que l'on se mette en bombe, que l'on s'habille, qu'on se fasse belle, et ils sont reconnaissants qu'on fasse des efforts de temps en temps. Mais voilà, je pense qu'il faut un juste milieu, faut savoir doser. Il y a des moments où vous avez envie de vous préparer, préparez-vous, faites-vous super belle. Et s'il y a des moments où vous avez envie d'être naturel et au lit tranquille, de passer une journée les cheveux attachés, la gueule dans le cul très clairement, faites-le, ils vont adorer. Et enfin, la quatrième et dernière qualité que les mecs apprécient chez leur partenaire, c'est quand elle a une grande ouverture d'esprit et qu'elle sait communiquer ses intentions. Comme je le dis souvent, la communication est primordiale dans un couple. Et là, je parle de la communication dans la vie de tous les jours. Voilà, les mecs n'ont pas envie de toujours essayer de comprendre ce qu'on a dans la tête. Parce qu'il faut se dire que nous, les filles, parfois, on boude dans notre coin et on attend qu'ils devinent ce qu'on pense. En fait, ils aiment bien qu'on leur communique. C'est plus clair pour eux, c'est plus facile. Et je parle aussi de communication au lit. Exprimer clairement ses désirs, leur dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie. Ça rajoute une petite touche de féminité, d'audace, et ils adorent ça. Donc voilà, les filles, je peux que vous conseiller de communiquer, d'avoir confiance en vous et d'exprimer vos envies.
Du coup voilà la Mifa, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère les filles que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Et venez me dire en commentaire les filles quelle est la qualité qui font craquer un mec selon vous, parce que je pense que je les ai pas toutes dites. Et dites-moi aussi au passage si vous voulez la partie 2 sur la vidéo les 4 qualités qui font craquer une fille. Donc balancez ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour plus d'actualités. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien la Mifa. Je vous fais des gros bisous.